écoute, on se retrouve pour un tout premier épisode de la saison 3 de Déco Duo. Oui, parce que c'est la troisième saison que je fais sur ma chaîne. Je suis donc avec Miss and You, comme vous avez pu le voir dans l'annonce. Et je suis trop contente de reprendre cette série maudite. Parce que j'ai jamais pu la finir, donc j'espère qu'on va la finir. Amissa, je compte sur toi. Alors, pour ceux qui viennent de débarquer, je rappelle que le principe, c'est de faire une maison à deux, donc chacun, chacune 20 minutes. Donc là, ce sera avec Miss Anew. Il y a sa chaîne en description, je la remettrai sûrement en commentaire. Et vous l'avez à la fin de la vidéo. Et si vous n'en avez pas assez, bah, je ne peux pas faire plus. Donc, on a un problème, c'est que j'ai aucune foutue idée de ce que je vais faire. C'est toujours moi qui commence et c'est toujours n'importe quoi. Je sais pas du tout ce que je vais faire, ça va être du random. J'ai peur. J'ai très peur parce que moi je marche au feeling et du coup ça peut donner des choses très belles comme des choses un peu bizarres. Mais je sais que Miss Anew est très imaginative et je suis sûre que tu arriveras à t'en sortir. Bon, alors, c'est une minute. 1 minute 25, donc on va commencer. Allez, hop, je pose le premier mur, je ne sais pas ce que je fais. Hop, il est 1 minute 31, donc à 21 minutes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas ce que je fais. Missa, aide-moi. Tiens, on va faire une espèce de tour comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je ne sais pas, mais je vous avais prévenu que je savais pas trop ce que je faisais. Donc, on dirait une clé, je sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Comment je pourrais faire? Attendez. Bon courage, Missa. Non, c'est pas ça que je vais faire. Bon courage. Je me trompe en plus. J'ai pas le temps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de déco duo que je stresse à mort là. C'est débile, je sais, mais le chrono et tout. Je peux pas me permettre de faire un truc trop long, donc on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Et si je faisais une terrasse? Je vous dis, je sais pas. On verra bien. Vous sentez la meuf qui est même pas convaincue de ce qu'elle fait? Et si on faisait une... Ah, je sais ce qu'on va faire. Une terrasse, mais en profondeur. Je sais pas si vous voyez ce que je vais faire. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Tout va bien. De toute façon, je ne sais pas parler. Je suis angoissée. Ah, oh, punaise, punaise. Je suis super angoissée. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Que j'ai pas fait cette émission. Enfin, cette émission, cette série. Cette émission, mais l'autre, elle s'est crue dans je sais pas quoi, là. Oh, on va se calmer, Lupina. J'ai trop pris la grosse tête, de toute façon, donc ça doit être pour ça. Alors. Je dis n'importe quoi. Ah, ça frise. Je suis désolée, j'ai des petits lags. Je sais pas trop pourquoi. Et si on mettait... Ah, je sais ce qu'on va faire. La terrasse, elle va aller jusqu'ici. Hop. Voilà. En fait, je suis en train de me dire pourquoi j'ai mis des murs, parce que je vais devoir les renlever, je perds du temps. Je pense à rien, je ne pense à rien. Par contre, là, ça fait bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je sais même pas ce que je suis en train de faire, donc. Oh, ça fait moche. Ah, la meuf. Bon courage, Missa. Parce que là. Bon courage pour faire quelque chose de cette croûte. Mon Dieu. Mais en même temps, commencer, c'est pas toujours évident pour ma défense. Et c'est toujours moi qui dois commencer. Pas que je m'en plaigne, hein, ça ne me dérange pas au final. Mais du coup, voilà, c'est pas toujours très 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 beau. Au début, en tout cas. Après, on arrive toujours à faire quelque chose de pas mal, on verra bien. On verra bien. Ah, on peut pas faire les escaliers en biais. Remboursé! Est-ce que je peux mettre un tout petit peu plus haut? Voilà.
Là, ça me paraît pas mal. Du coup, là, pourrait y avoir un jardin ou je sais pas, je vais encore réduire ici. Non, on peut pas réduire là. Ouais, comme ça, peut y avoir un grand jardin derrière. Oh, je sais pas ce qu'on va caser là-dedans, mais ça va être sympa, tiens. Ah oui, alors attendez. Hop là, voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dupliquer le machin? Ouais, ça c'est bien ça. On peut dupliquer le truc. Et bah vous savez quoi, j'ai envie de faire une maison avec beaucoup d'étages. Donc il y aura deux étages. Voilà. Ça. Ah bah ça rend bien quand c'est en haut comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je mette un peu plus de mouvement, je sais pas. Moi-même, je ne comprends pas ce que je raconte. Tout va bien. Non, attendez. Attendez, ça va pas du tout parce que c'est pas symétrique et ça me perturbe. Voilà. Comme ça. Eh oui, mais je suis comme ça, moi, messieurs, hein. Il faut que ça soit pareil. Sinon, ça va pas. Ah, ça peut faire original avec la petite languette, là. Ouais. Ouais. Je suis même pas convaincue de ce que je fais. Hop. Je sais pas ce que je fais, les gars. Je vous avais prévenu que ce serait random, donc moi je mens pas, hein. Quand je dis que ça va être random, c'est que ça va être random. En fait, ça c'est moche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça moche. C'est très très moche. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, il reste combien de temps? Oh, ça va, j'ai encore le temps. On va se calmer, Lupina. On va se calmer. Ou alors juste un bout de mur. Oh, pauvre Missa. Pauvre Missa va voir ça. Elle va faire une attaque, je crois. Ce serait cool si j'arrivais à mettre un petit bout de ça tout autour. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Un petit bout de passerelle là, ça pourrait être sympa. Je sais pas si je vais y arriver. Je pense pas que j'y arrive parce que moi, les murs, tout ça. Si, là, j'ai réussi. Ça ressemble à rien. Et comment je vais faire pour relier le truc? Attendez. Non. Ah ouais, faudrait que... Non, c'est horrible là. C'est horrible. Pauvre Missa, elle va voir ça. Quelle horreur! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah! Ah ben oui, ben je suis bête, j'ai qu'à faire ça. En fait, je repasse un autre bout de mur par-dessus. Hop. Plutôt comme ça, non? Oh. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Non, ça m'a tout enlevé! Ah, crotte. Voilà. Bon. Écoutez, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette atrocité. Je préfère en rire parce que franchement, c'est tellement laid. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, j'en peux plus. JPP, comme on dit dans le jargon. Alors, comme ça. Et je continue en plus, hein, parce que non seulement c'est moche, mais j'en rajoute une couche. Bah oui, il n'y en a jamais assez, hein. Est-ce que ça pourrait mettre comme je veux, s'il vous plaît? Oh, ça fait pas du tout ce que je veux. Des bêtises, hein. Ouais. Attendez. Si je fais ça. Voilà. Parfait. Perfect. Bon bah pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ah, je reviens, j'ai un appel. Et re mes choucrouloutes. Excusez-moi, donc j'ai été ranger les courses. Je suis en train de me dire que c'est vraiment n'importe quoi. Aïe 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 aïe, Dios míos, amigos.
C'est horrible. Non, mais on va arrêter de faire n'importe quoi. En fait, je voudrais couper là pour que ça fasse un peu plus lisse. Je sais pas. Ouais. Admettons. Admettons, si on fait ici en sorte que ce soit très haut. Oula. Non, là, c'est carrément trop haut. Là, c'est très très moche. Oh, mais Miss Agnew, mais elle va voir ça. Mais elle va péter un câble. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Lupina? Mais Lupina, mais pourquoi t'as fait ça? Et je suis entièrement d'accord. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Mais je le fais quand même. Oh, c'est une honte. Bah, c'est moche, hein. Faut dire ce qui est. Aïe aïe aïe. Non, mais peut-être qu'à la fin, ça fera un truc joli, hein, on sait pas. La meuf qui essaye de se convaincre toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait des bêtises? Bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est Ruru qui vient de rentrer. Coucou Ruru! Excuse-moi, je suis chronométrée là. Je peux pas rigoler avec toi. Oh là là. Ah, bon bah, écoutez, j'ai envie de dire, on verra bien ce que fait Missa, hein. Ce que fait Missa de cette croûte. Et comme j'ai dit, avec un peu de chance, ça sera beau, hein, on sait pas. Après, le souci, je lui dirai que si elle veut rajouter des murs à la place de la terrasse, elle peut. Parce que normalement, on n'a pas le droit, mais bon, si l'autre dit à l'autre qu'il peut, il n'y a pas de souci. Bon. Bah, c'est moche, hein. On va pas se le cacher. C'est vilain, c'est tout. Mais c'est pas grave, hein. Faut de toutes les maisons. En fait, c'est pas tant que c'est vilain, c'est que c'est. Comment je peux dire ça? Bah, ça change, quoi. C'est pas une maison qu'on voit tous les jours, hein. Non, mais ça peut faire un petit style. J'essaye vraiment de me convaincre là, au cas où vous auriez pas remarqué. Du coup, je sais pas du tout combien de minutes il reste. Je crois qu'il me restait moins de 10 minutes. Donc, quand ce sera à 8 minutes ici, j'estimerai que ce sera fini. Je veux les fenêtres de jardin romantique, s'il vous plaît. Jardin romantique, where are you? Ici, je mettrais bien la porte d'entrée, par contre, et je vais arrêter de faire toutes les 5 secondes parce que je m'énerve. Voilà, je m'agace. Je m'agace. Pauvre Missa. J'ai hâte de voir sa réaction. Ça se trouve, elle va dire « Ah, oh, c'est joli !» Mais ça va plus être en mode What? » Je pense. Je sais pas. On verra bien. Oh, mon Dieu. Pauvre Miss Agnew. Pour quelle couleur je mets cette porte là-bas? Au pire, on verra à la fin du truc. Hein. Il faut que je mette là, quelque part, une porte vitrée. Voilà. C'est important les portes vitrées. Est-ce que vous aimez les portes vitrées? Nouveau débat. C'est génial. Mes débats sont tellement intéressants. Aimez-vous les portes vitrées? On pourrait mettre des petites barrières aussi. Mais en fait, j'ai pas trop envie. Ah, il y a mon chat qui m'embête. Tout ça! Eh ben, dis donc. C'est Grougal, hein. Il est pas maltraité. Il est comme ça. Il faut toujours qu'il fasse son intéressant. Hein, mon chat? Bon, j'irai lui faire des câlins après si ça peut vous consoler. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, j'ai bien envie de mettre des barrières et tout ça, mais j'ai pas envie de la brider totalement parce que si je mets des barrières, enfin, je sais pas. Je verrai au prochain épisode ce qu'elle a fait. Et puis, on verra à ce moment-là. Par contre, là, je trouve que ça fait trop plat. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc qui me chiffonne. Ça fait trop plat. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, on va rajouter. Je sais pas, des trucs. Ah, j'en ai marre de moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et voilà. Bon, bah. Ça fait moins plat. Je vous dis, hein, je me convainc comme je peux. Alors, voyons voir l'intérieur. L'intérieur, je mets aucun mur comme ça. Missa, si elle veut mettre des pièces, elle pourra.
Parce que moi, les pièces, je crois que c'est ce dont je suis le plus nulle. Faire des pièces. Franchement, à chaque fois, je galère. Je suis en mode, comment je fais? Ça ressemble jamais à rien. Faudra que je vois pour les escaliers aussi. Les escaliers, je les mettrais bien là, mais je sais pas. Écoutez, on verra ce qu'elle va faire, elle. J'ai bien envie de laisser ça comme ça. Peut-être délimiter le tour, genre avec un jardin ou je sais pas. Alors ça aussi c'est une barrière de jardin romantique que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est une de mes barrières favorites, hein. Il n'y a pas à chercher, c'est pas une barrière, ça c'est plus un mur, vous me direz. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, ça nous fait un petit jardin mignon quand même. Là, on pourra mettre des Sims, c'est là-dedans. On pourra mettre du monde. C'est horrible. C'est horrible. It's horrible. Bon, au moins, ça ne ressemble pas à un phallus comme j'ai jadis pu faire. C'est déjà ça. Si vous ne comprenez pas et que vous venez d'arriver, je vous invite à voir la saison 1 de Déco Duo, puisque c'est encore moi qui ai commencé. Et c'était n'importe quoi. C'était avec Seb Play d'ailleurs. La deuxième saison, c'était avec Keraline. Et on n'a pas pu finir pour diverses raisons. Donc là, j'espère que cette saison sera finie. C'est pour ça que je dis que c'est la série maudite. Voilà. Ah, vous voyez un bout de mon chat là. Donc ça, c'est Ecstasy. Mais je vous rassure, elle porte très bien son prénom. Alors, bah ça me paraît bien. Je sais pas trop quoi faire là. Je veux pas poser des fenêtres. En fait, les fenêtres, etc. Je veux attendre qu'on ait les pièces pour les poser. Et j'ai une idée peut-être. J'ai peut-être une idée. Il me reste pas beaucoup de temps par contre pour la mettre en place. Un mur. Vite, vite, un mur. 1, 2, ça fait combien? 2. Ah ouais, non, ça va être bizarre, je sais pas. Parce que je ferais bien une tourelle comme ça. Et enlever le tour à chaque fois. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des conneries. J'ai fait des bêtises. Oui. Donc là, il n'y a plus de plafond non plus, là, c'est bon. Bon, bah, on verra bien. De toute façon, je crois que j'ai plus le temps. Ouais, j'ai plus le temps, donc je vais arrêter de toucher à tout. Je vais arrêter de toucher à tout. Et je vais envoyer ce chef-d'œuvre à Miss Agnew. Donc vous trouverez la suite de la construction la semaine prochaine sur sa chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et salut!